Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis youtubeur Pokémon dans la stratégie Pokémon et j'ai 21 ans. Nous a toujours, on se retrouve donc pour ce nouveau épisode du Worst Player. Alors, après la précédente saison de Poké Race, dans le premier épisode j'étais premier. Après, dans le dernier, bon, c'est une autre histoire quoi. Alors, dans cette saison, ma stratégie ça va être de pas faire les mêmes erreurs. Donc, je vais essayer de moins me reposer sur mes lauriers au début parce que c'est un peu comme ça que j'ai perdu mon avance quoi. J'ai l'impression qu'on va tellement tard par rapport à la saison 1, j'aimerais moins parler et tout. Alors, l'impression qui me fait plus peur, c'est Deolink. Parce que justement, dans la dernière saison, il a pas fini premier. Donc là, il a une petite revanche à prendre, donc je pense qu'il va tryhard quoi. Ah bon, c'est trop chiant quand tu peux pas passer, tu peux pas passer le texte. Mon niveau de connaissance d'Earthgold est assez limité, je l'ai fait 2-3 fois, mais je m'en souviens vraiment pas. Après le début du jeu, ça peut aller, mais le reste, on verra bien. Je ne t'aime pas, va-t'en. Volt, il est rapide, il fonce au début, un petit peu comme son nom l'indique, mais ensuite il se perd, du coup c'est un petit peu limité. Alors, les qualités de Volt, il est présent, on est content qu'il soit là, c'est pas forcément la personne que j'apprécie le plus. Je m'en bats les couilles! Mais bon, vu qu'il fallait choisir un quatrième, on a choisi un quatrième. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Volt, c'est un mec qui est un peu foufou, mais qui, derrière cette fougue, va pouvoir être concentré et rester précis dans ses choix.